Tu sais ce qu'elle a dit? Mbele me vaut ngou, non. Mbele siesi. Mbele me vaut nkwayeb. Mbele me vaut tchot. Chante. 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 Tchumbiye. Ngoma njan tchumbipe. Et tu me pèches. Pèka fan famé. Yacinto Pipunke Yamangamba. Non, c'est pas. Non, il y a Chungo. Comment on peut dire ça? Forme. Il y a Yo foot. Foot mardi. Aujourd'hui à 17h. Et je n'ai même pas encore fini de regarder la vidéo de la dernière fois. Ah, c'est, je suis vraiment débordée. La fin d'année est toujours très, très compliquée. Ah, comme un jour. Il y a un peu de temps. Dans mon père, il y a un peu de temps. 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 C'est exactement ça. C'est ce qu'il faut faire, vraiment. Oh. Une fois, pom-pom-tam, on continue une fois. C'est au Luciana un grimo où après la semaine te prend. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, Vungono, je te comprends. Hein, parce que moi, il y a un moment, je fais souvent mon travail à 1h du matin quand ils sont couchés. Parce que je me dis, mais je n'ai pas fait. Mais c'est, je ne sais pas s'il y a une qui fait aussi comme ça. Elle fait juste quand on finit. Je pense que c'est la meilleure technique. Je suis occupé, hein, c'est ça. Pardon. Pour demain, le sien. Le sion, le sion,
Ndamo obite he mbasa mo mchamba lasima mbichima moya ko moya simba mo mbasi pasi moya mba shi anchi shi. Mba shi anchi shi. Le CEO Chicho. Oh, merci. Pour que un coup fort. Comment on dit à la suite du coup. Pombe te main fort. Pombe te met ceci. C'est la bonne méthode, Ingrid. Tu finis le coup là, tu fais le fort directement. Juste après. Oui. Je te jure, sinon après, enfin, je sais pas pour toi, mais tu remets. Là, ce soir, moi, je vais faire parce que j'ai mon aîné qui est dans une autre ville qui arrive. Avec ma nièce. Donc, si je ne fais pas aujourd'hui, là, c'est fini. En plus, avec les fêtes et tout. C'est fini. Je vais faire ce soir-là. Les autres groupes, je n'ai pas eu tellement ce genre de problème. C'est avec eux. Il y avait moins de mamans, peut-être. Après, là, c'est pas moins de Ingrid. Non, c'est que tu et crois que tu vas avoir ça, le temps, si, mais après, le quotidien te prend et tu ne... C'est vrai. Si Ingrid et moi, on avait fait un audio que je t'avais on avait envoyé dans le groupe, mais on n'a pas eu de retour par rapport à ça. Dans ce cas, il faut redonner. C'est vraiment excellent. Il faut remettre encore. Oui, les audios qu'on avait fait, je crois que Mevendokam n'a peut-être pas vu. Comme il y a beaucoup de messages, peut-être ça s'est perdu dans les messages. Tu avais fait avec qui? Moi, j'avais fait avec... les deux Ingrid avaient fait ensemble. Et moi, j'avais fait avec Ornella, son prénom, son nom. Quand c'est comme ça, tu remets. Je vais lui dire à Ornella de faire demain. C'est Ornella qui a ça, je vais lui dire. Parce que vous avez vu seulement pour mais on avait tous envoyé. On avait tous envoyé. Mais je crois que comme il y a beaucoup de messages, si tu te perds en fait, si elle arrive et qu'on a déjà lu les messages, ça se perd. Je comprends. Non, c'est bon parce que quand elle nous corrige comme ça, on réécoute et ça nous permet de fixer les mots. Vous réécoutez souvent sa correction. Oui, moi je réécoute même ceux des autres. Je réécoute comme ça me permet de bien fixer les trucs. Je réécoute pas que pour moi. Je réécoute pour les autres. Ben fort. Là, ça me motive encore. Sia Bandé. On voit le sourire de Sieti là. Sieti est content. Yap. Dans mon petit chopoum, tâchez vraiment à faire vos devoirs. Sinon, c'est une insulte à notre travail. C'est comme ça que nous pensons. Oh, il ne faut pas prendre ça comme ça. Non, pas loin là-bas comme ça. On va faire. De Fanny, on ne te voit pas. Hein. Je crois que tu es en contre-jour. C'est tout. Comment on dit c'est sombre? Tu dis Zoom, c'est. Zoom, c'est. Zoom, c'est. C'est noir. Sombre. Et zoo, c'est un endroit. Zoom, c'est l'endroit. C'est l'endroit. Zoom, c'est. Zoom, c'est. Fab. Fab. Porto, c'est Sinebe, l'Enzole. Polone, c'est Sintimbi, c'est un peu tonto. Timbi, to. La dernière fois, c'était to sombre meze. Ah, sombre meze, il y a quoi faire? C'est Chicho, aussi to. Mbanjab. Le panjab. Panjab, Chicho. Mbanjab. Non, il y a les. On peut lire ça. Ça c'est un gu.
Ngui. Ngui. Ça fait Ngui. Hombe, mbe, howe, mbe, Ngui. Ça, ça fait d'abord E. Parce qu'il y a d'abord E. Tout le monde dit E. 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 Ça fait E. E. Re. Re. Ouais. Ouais. Bah. Ah. Ah. Bah. 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 Ngui. 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 I. 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 Ngui. 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 Re. Ouais. Re. Ouais. Bangui. Fab, rewe, bangui, pelena. Rewe, bangui. Déjà, mena, yule, tout le monde. Mena, yule. Mena, yule. Ça veut dire quoi, mena? Mon enfant, écoute, mon enfant, écoute ça. Ah, yule, écoute ça. You. Ah, yule, c'est écoute. Yule. You, you, c'est écouter. Écouter. Ah, you. Ah, oh, non, non, oh, you. Oh, mon Dieu. Oh, you. Re, ouais, bangui, re, c'est quoi? La langue. Re, le parler. Si vous ne connaissez pas re, c'est que vous ne faites pas la langue, non. Parce qu'on est en train d'apprendre le re. Y'a quoi faire? Le re, le parler, la langue. Parlez-moi re, ouais, bangui. Re, ouais, bangui. Y'a mon dasma. Non, j'ai envie de dire la langue de quelqu'un. Qui le fait? Voilà, ça, je n'étais pas sûre. C'est la langue de quelqu'un qui le fait. Voilà. Donc, c'est ça. Donc qui le caractérise. Qui le caractérise, d'accord. Ngu, c'est faire. Penanga, le indi, bimoko. Oh. 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 I. I. Ça, c'est I. Ça descend. Oh, I. I. Ah. E. Ah, ça, c'est ta. Ça, c'est quoi? Oinda. Oinda. Mba. Non, c'est pas A ici mba. Déjà. C'est A. Donc ça fait mba. Oinda. Mba. 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 Oinda. Mba. Oinda. Mba. Mba. Oinda. Mba. Ça c'est E. Et ça, ça j'ai du mal avec E, le E si et le epsilon. J'arrive pas. Oui, le epsilon c'est E. D'accord. Mais ça c'est E. E. Les E d'abord ça. E. E. A. A. U. U. Et quand c'est E deux fois, on tire, on ça fait E. E. Ah. Ah. U. Donc dites E A U. E A U. Ne wa ku. Ne wa ku. Ne wa pas wa wa. Ne wa ku. Oinda amba ne wa ku. Oinda amba ne wa ku. Je suis heureux. J'ai ici Ne wanku, ça veut dire une personne respectable, une personne respectée. Oh, une dame, ne wanku. Ne wanku, littéralement, ne, c'est un animal. Wa, ça veut dire qui coupe. Nku, okay. C'est le fil du piège, d'un animal qui se débarrasse de son piège. Ok. En roman, là, ça sera nom wanku, nom, nom. Nom, c'est nom, l'animal nom, là-bas. La panthère. Nom, nom. Non, non, c'est nom. La panthère, c'est nom gui. Nom gui. Nom, c'est l'animal. Nom, c'est l'animal. Ne wank. Pelle-le. Ne wank. Oindambe ne wank. Oindambe. Ça veut dire tu seras. Tu seras. Personne respectée. Respectée. Oindambe ne wank. Oindambe ne wank. J'ai ici. J'ai ici. Mbe. Mbe. Yo. Voilà. Ah, yo. Ça, c'est pas yo. Yo. Ça, c'est o. O. Mbe. Mbe. Yo. Wenok. Yo. Wenok.
Mbeyo Wenok. Mbeyo Wenok. Mbeyo Wenok. Mbeyo Wenok. Ça c'est yo. Mbeyo Wenok. Mbeyo Wenok. J'ai ici le zo Mbeyo Wenok. J'ai ici le zo Mbeyo Wenok. Apprends ta langue. Apprends ta langue pour être quelqu'un. Pour être aussi quelqu'un. Toi aussi tu seras quelqu'un. Mbeyo. Toi aussi tu seras quelqu'un. Tu seras quelqu'un. Pechemenji même que. Oh. C'est pas oh. Non, non, oh. 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 Si on dit déjà oh, vous faussez tout le calcul. Oh. 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 Si. Il y a le coup de glotte. I. Si. 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 Oh. Si. J'ai raison. Non, il n'y a pas le coup de glotte. Ne coupe pas, maman, ne coupe pas. Oh. Lis chaque mot isolément, ne coule même pas. Recommençons. Oh, oh, si, j, re, descend mieux, re, zo, zo, be. Bravo. Tu vois, quand tu vas doucement, tu prends la peine de mieux chanter. Tout le monde, o, si, j, re, zo, be. Aussi, j'ai besoin. Me vont gâcher Wondro. Me. Ça, c'est pas me. Le ton, s'il n'est même pas modulé. Ça, c'est quoi? Ma. Non, lis seulement la voyelle. E. E. Et donc? E. Me. Me. Po. Po. Lis la voyelle d'abord. Ah, si tu ne ressens pas la voyelle, tu vas lire quoi? Oh. Hein? Oh. Non, c'est pas oh. Ça monte plus. Oh. 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 Non, c'est oh. Pas. Oh. 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 Po. Il n'y a pas de coup de glotte. Po. Po. Non, toi, tu dis po. Ne t'arrête, ne fais pas, ne coupe pas ta voix. Oh. Mm-mm. Oh. Je dis pas. Ça fait po. 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 C'est E. Toi, tu dis E alors que c'est I. E. Ouais, on monte plus, ouais. E. Et le E avec M, ça fait E. E. M'fé. M'fé. O. 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 Ça, c'est ta. O. 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 U. Yeah, yeah, yeah. Non, je disais, là, sans le, avec le E, c'est je, U. C'est non, U. Non, c'est pas déjà U déjà. Là, c'est O. O. On est où? On est sur quelle lettre? Le ah, ok, O. C'est le U barré qui est U. Oui, c'est O. Non, 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 elle a raison, je me suis trompée. C'est U. M. Pelle-moi M. M. Po. Po. Quelqu'un a dit Po. C'est Po. 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 Fait. Maintenant, ici, c'est moyen. O. 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 Pou. Pou. Me poufait nos pou. Me poufait nos pou. Vous connaissez le pou? Nga. Je regarde. Pou, ça veut dire esclave. Esclave. Me faire, ça veut dire quoi? Vendre. Me poufait nos pou, ça veut dire quoi? C'est qu'on va te vendre comme un esclave. On va te vendre comme un esclave. On va te confondre à un esclave. Non, on va te vendre. Me poufait nous. On va te vendre. Si j'ai réseau. Aussi, tu ne connais pas ta langue. Si tu ne connais pas. Si tu ne connais pas. Aussi, aussi. Aussi, si tu ne connais pas ta langue. Ou si tu ne sais pas parler ta langue, me poufait nos pots. Me poufait nos pots. Me poufait nos pots. Dindib. Pelle me mena yule. Mena yule. Mena yule. Re webengui. Re webengui. Oh, in da ambe ne wank. Oh, in da ambe ne wank. Mena yule. J'ai ici le zoo Mbeyo Wenok.
Aussi j'y résoube. Aussi j'y résoube. Me pouffer nos poux. Me pouffer nos poux. Je vais essayer, je vais arrêter à Nouank. Nouank. C'est pas Nouank. Il n'y a pas le coup de gueule. Nouank. Nouank. C'est gars ou t'es teacher? Wenok, c'est quelqu'un, c'est ça? Oui, Wenok. C'est un être Wenok. Humain. Okay. Son diminutif, c'est simplement Wé. Ah, Wé, ouais, ok. Dis un peu, j'ai vu une personne. Gueyette, ouais. Il n'y a pas le coup de gueule. Quand toi, tu lis, tu ajoutes beaucoup le coup de gueule. Tu dis ouais. Mm-hmm. Quand tu coupes le ouais, il y a un coup de gueule là. Dis seulement ouais. Gueyette, ouais. Gueyette, ouais. Gueyette, ouais. Voilà. Il y a toujours un peu, mais bon, ça va. Il y a toujours un petit coup de gueule. On peut dire juste un gueyiwe. Un gueyiwe. On a vu comment on posait la question la dernière fois, n'est-ce pas? Ça, c'est les révisions rapidement. Donc, lisez si vous voulez. Donc, ça, ce sont les révisions. Pourquoi ils ne viennent? Les autres viennent. Ils sont là. Tout le monde est là. Mbachianga, c'est puis mon nom. Non, mon nom, non, yamala. Yamala, zi. Woyo. Gunte, gomme un chassin bouta. À cause de toi, alors on est fâché à cause. On nous a grondé ici là. Si toi tu n'avais pas fait, on n'allait pas nous gronder comme ça. C'est ta faute. Tu as fait, on nous a grondé ici, grave. Oui, non. Gomme un chassin bouta, je suis très fier de toi. Tu fais comme je veux et puis voilà, je veux que tout le monde suive ce rythme. On va suivre ton exemple. Gepeno. Mais moi, en fait, le parler, l'accent n'est pas encore là. Par contre, vous avez l'accent. On a quel accent, maman? Tu vois pas comment on galère avec les A et les A, là. Tim. Il y a mon gars, non, ça va venir. Avec l'effort que tu fais, ça devrait aller. Donc, on avait vu qu'on posait la question comment? En élevant la voix, n'est-ce pas? En doublant la voyelle. Voilà. Donc, Okwemba, allez-y. Okwemba. Mba Changa, choisis une personne, tu lui demandes si il ou elle aime la viande. Ok, non. Okwemba. Tu montes bien. Okwemba. Oh, le premier, ok. Okwemba. Voilà, donc tu dis Mba et après tu montes, sinon on ne saura pas que c'est une question. Oh, ok. Onkwemba. 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 Voilà. Là, on sent bien que tu as élevé la voix. Mavo, non. Onkwemba, il t'a posé la question. Ah, Onkwemba. Onkwemba. Au lieu de un, tu dis un. Un. Onkwemba. Onkwemba. Te kimbe. Ou alors simplement ta. C'est un synonyme. Gokwemba ta. Gokwemba ta. C'est si. Comment on écrit te kimbe là? J'ai oublié leur. Ke, c'est quel ton déjà? Et. C'est le ton. C'est le E. Je sais plus. Le de deux. Non, le 2, ça va faire I, ça, le 2 monte plus. Donc le 3, alors. Le 3, oui. Voilà, alors là où je me mélange le 2 et voilà. Le 3, là. OK, le 3. Apprêtez-vous à la dictée, hein, parce que bientôt, là, on va commencer à essayer, là. L'autre, c'est là. Ça, c'est quand on dit ke, c'est le ton moyen. Tu écris E, et tu mets un 3. Mm-hmm. Tu écris K, E, 3 dans le dictionnaire. Ça va faire ke. Kimb, ça veut dire tellement. Ça veut dire juste qu'il n'y a pas moyen. Parce que ke, ça veut dire rien. Mb, ça veut dire moyen. Si je veux dire je n'ai pas moyen, ça veut dire mb. Simbo, mb, ça veut dire moyen.
hein? K-E-E et ok, pas moyen. Ok, jusqu'à ah, ok, j'ai vu l'orthographe. Oui, Kébou. Tchassouba. Appel, challenge. Jim. 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 On fait la liaison. À chaque fois qu'on voit un et une voyelle. Jim. Vous faites seulement la liaison. Jim. Ça, ce n'est pas m. Ça, ce n'est pas m. Ça, ça m. Jim. Gankoi. Gankoi. Il y a des gens qui posent la question. Au lieu de dédoubler plutôt le E, ils mettent plutôt le I. Donc, il y a deux grands groupes dans le Hong Kong. Il y a un groupe qui va dire Jimomon Gankoi. D'autres vont dire Jimomon Gankoi. D'accord? Il y a un J. Abba. Ozawu. Voilà, parce qu'il y a d'abord ou et après tu vas élever la voix avec ou. Ozawu. Gazawu. Mavongunu, latawe. Tersino. Me vont gâcher. L'examen. Autant l'assis, ça veut dire. Est-ce que tu as passé ton examen? Bon, je vais en inventer un. Autant l'assis. Donc, on a vu que pour poser la question, c'est très simple en fait. On élève juste la voix. Ozoou, Pelele. Ozoou. Autant l'assis. Osona. Et l'affirmation c'est quoi? Osona. Maintenant, il y avait une autre forme d'interrogation qui commençait par te. Et quand ça commence par te, la voix chute plutôt au lieu de s'élever comme avant. Maintenant, on dit tozo. Allez-y. Tozo. Là, on veut se rassurer vraiment si tu as mangé. Tu as vraiment mangé? Oui, on veut se rassurer. Tozo ou, Pelele? Tozo ou. Tato l'assi. Tato l'assi. Tengue rupunke. Tengue rupunke. Ça veut dire quoi? Tengue rupunke. Est-ce que j'ai vraiment les enfants? Voilà, le mot vraiment là est très important. Est-ce que j'ai vraiment les enfants? Alors qu'un gurupunk, ça veut dire est-ce que j'ai les enfants? Voilà. Donc, quand on commence par te, c'est vraiment pour se rassurer. C'est pour se rassurer. Oui. Tamumbewe. Tamumbewe. Ça veut dire? Est-ce que tu es contente? Est-ce que c'est vraiment une bonne personne? Elle est vraiment contente.
Non, c'est pas contente ici. Une bonne personne. Une bonne personne, oui. Personne de confiance, quoi. Est-ce que c'est vraiment... Qui a dit que content? Non, j'ai dit... Oui, il y a aussi Mbé qui veut dire être content. Quand nous, Mbé, je vois ce que tu veux dire. Dis nous, Mbé. Nous, Mbé. Littéralement, Mbé veut dire bon. Bon, ok. Nous, Mbé, ça veut dire que quelque chose est bon à moi. Et donc me plaît. Ici, quand on dit Mbé, ouais, ça veut donc dire quoi? Bonne personne. Ok. Mais bon, non, là, c'est l'académie du FF seulement. Les dédicaires. Toutes les subtilités, là, ils remarquent ça. Oui, ils remarquent. Je vois pas. Te pour encore. Allez-y. Te pour encore. Tu es en train de monter. J'ai dit te pour encore. Te pour encore. Si tu enlèves le te, tu peux maintenant dire pour encore. Te pour encore. Tu mets te et tu montes encore. Te pour encore. Te pour encore. Voilà. Alors que si tu enlèves le te, tu vas dire pour encore. Pour encore. Bravo. Pour encore, ça veut dire, est-ce qu'ils ont l'argent? Te pour encore. Ils ont vraiment l'argent là. Là, vous avez vu les deux façons de poser la question. C'est tellement simple. To sona. Ça, c'est les mamans, ça. Voilà, ce sont les mamans, vrai. Donc, elle veut se rassurer si tu t'es vraiment lavé. Peut-être que tu allais laver ton ventre seulement. To sona. Moi, les spécimens ici, ils font seulement couler l'eau. Donc, voilà. Donc, désormais, tu vas leur dire au sona. Ils vont dire Osona. Et après, tu vas dire Tosona. Donc, là, on sait maintenant poser les questions facilement. C'est bon. L'exercice, c'était ça. Allez-y. L'enfant dort. Moumendje. Maintenant, poser la question. Moumendje. Mais ça reste toujours dans la question, en fait. C'est-à-dire que ça est toujours dans la façon de poser la question. C'est toujours le tessine ou non, mais gars, tu veux te rassurer. C'est tessine ou non, en pelangembi. Comment dire, guérir? Si vous aviez fait votre travail, maman, on aurait répondu ici au. Non, sauve-nous. Do ya yasi. Elle est guérie, c'est quoi? Ayasi. Allez-y, Ayasi. Ayasi. Yamke. Quoi? Yamke, tu veux dire que c'est quoi? Pourquoi on dit ya? Pourquoi il y a un ya? Pourquoi on ne dit pas anasi? Pourquoi on met le ya? Le verbe c'est njasi. Njasi. Qui prend le y? C'est le passé. Oui. Ayasi, c'est qu'elle est déjà guérie. Elle est guérie. Ça veut dire le passé, c'est ça? Non. Ça devient le passé, ça prend y. Tous les,
tous les NJ, tous les NJ changent en Y au passé composé. C'est la grammaire. Par exemple, le verbe entendre, c'est quoi? Njou. Avec NJ, avec NJ. Maintenant, si je veux dire j'ai compris, je vais dire quoi? You. Le NJ là change en Y. C'est la grammaire. Donc, le verbe guérir, c'est Njasi, Pelele. Njasi. Si je veux dire, je suis en train de guérir maintenant même, je vais dire quoi? Ngomenjasi. Allez-y. Ngomenjasi. Maintenant, je suis guéri. Ngoyasi. Très bien. Oyo me vokanye. Ngoyou. Fab. Ngoyou. Il y a un coup de gueule que tu avales. Ngoyou. Ici, c'est quoi? Onte. Onte. Onte, ça veut dire quoi? Tu vas bien. Tu es là, tu vas bien. Tu es en santé. C'est une question. Onte. Une affirmation. Tu es là, tu es en santé. Ok. Posez la question alors. Onte. Si tu commences par tonte, tu vas descendre. Tonte. Donc ici, il n'y a pas la voyelle à doubler en fait. Oui, ici, c'est juste dans le son. Oui, onte. Dans l'intonation. Ici, là, on va seulement changer le ton bas en ton haut. Non, pardon. En ton montant. Ce mot. Tonte. Et là c'est onte quand on demande onte. Là tu vas monter avec la voix. Onte. Et l'autre c'est tonte. Et le tonte, l'orthographe ne change pas. Ça ne change pas. Tu vas avec le 1. D'accord. Tonte. À nouveau. Ah, doucement. Ça, c'est quoi? Voilà. Toi, regarde comment toi, tu as dit à nous, à nouveau. C'est pas à ici. Ça, c'est pas nous. Nous. C'est le Voilà. N'essayez plus de lire de manière approximative ici. Les tons là, maîtrisez-les. Autrement dit, vous serez toujours en train de parler avec du vocabulaire, mais sans le ton, et vous n'allez pas vous faire comprendre. Donc ici là, c'est pas c'est quoi? Ça veut dire? Elle a bu des médicaments. Posez la question. Ah, où ces médicaments? Oui. C'est pas où, justement. C'est pas où. C'est où. Parce que si tu parles, dis à quelqu'un que où c'est le médicament, il ne va même pas te comprendre. Ok. C'est plutôt où. Oui. Anouhou. Dans le palais, vous allez aussi entendre beaucoup. Voilà, c'est ça. Comme s'il y a un truc, comme s'il y a un GH qui coulait là. Anouhou. Oui. Anouhou. Tanuhu. C'est pour te rassurer, est-ce qu'elle a vraiment bu le médicament? Tanuhu. Perreux, Chicho. Il est content. Amen chassi. Posez la question. Amen chassi. Ou alors? Tamen chassi. Est-ce que l'affirmation c'est Amen chassi? Amen chassi. Tamen chassi. Si.
Donc, c'est vraiment juste le dernier son. C'est en fait, le dernier qui descend. Son là qui ah, bouge. Chassi. Tam chassi. Ok. Étudier. Voilà comment tu peux demander à l'enfant. C'est ça. Est-ce que vous étudiez? Père ici où? De père manger ici où? Ah ou. De père manger ici où? Oui, parce qu'il y a d'abord où qui finit à l'affirmation. Père manger ici où? De père manger ici où? Bravo. De père manger ici où? De père manger ici où? C'est où manger? Donc, voilà qu'on a fini avec l'interrogation. C'était une bonne révision. Et je vous ai aussi donné ce quiz. Je vous ai donné ça sous forme de quiz aussi. Les quiz qu'on vous donne sur Google Formula, faites ça. J'avais même pris la peine aussi de faire le Kahoot. Les quiz sur Kahoot, je vous ai envoyé. Les ça ne marchait pas. Ah bon? Non, Google Form, j'ai fait, mais l'autre, ça ne marchait pas. J'avais dit que ça ne marchait pas. Ah, tu as signalé. Ce que je vais... Ce Google que je vais Form, encore... c'était bon, mais l'autre, non. D'accord. Ce ça nous envoyait sur les résultats de ceux qui ont déjà fait. Ah. Par ordre. OK. Le premier, le deuxième, le troisième. OK. Ce que je vais encore reprogrammer. OK. Aujourd'hui, on va voir comment dit quoi ou bien qui. D'accord? Tu lis de manière intuitive ou tu vois les tons? Moi, Jiza. Non, je vois les tons. Ok. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ou bien c'est la réponse que tu donnes. C'est ça. Ah, c'est amusant. Il y a beaucoup de jouets. Kirby. Ça veut dire? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est là-bas? Dube. Et comment tu dis ndu? C'est pas où? Ça c'est A avec le coup de bloc, ça fait A nga. Li. Nga. Nganda. Bili. Yibili. Allez-y tout le monde. Nga. Nganda. Yibili. Ça veut dire quoi? Non, je montre celui-là. J'ai dit celui-là.
je dis plutôt l'autre langue. Nda yibili. Mbonga chani chelonju. Oh, bon, j'étais là. Oh, ça c'est. Voilà, bravo. Maintenant, oh, avec K, ça fait ok. Ok. Yok. Yok. Yong du. Du. Tu as dit ça c'était U. U. Ah. Avec le coup de gosse, c'est U. Yong du. Yok du. Yong du. Yong du. Yong du. Toi, tu dis du. Je dis du. De. Yong du. Yang de ba. Hey. Ah non non ba ba non ba ba, ba. Ça monte non? De ba. Ça c'est quoi seulement la voile c'est quoi avec le ton non non ne mets pas le coup de gorge Toi, tu mets le coup de gote à la fin. Toi, tu dis ah. Non, dis ah. Ça fait. Ba. Ne mets pas le coup de gote, maman. Dis seulement ba. 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 J'ai eu beaucoup d'élèves aussi qui ajoutaient le coup de gote comme toi. Je vais soigner ça plus tard. Yo, dis. Tu la souhaites. Oui, dis yon de ba. Yondumba. Ça veut dire quoi? Yondu, c'est quoi? Le train. Le train. Pourquoi c'est Yondu, c'est le train parce que Ndu, c'est la voiture. Yok, ça veut dire joindre. Nanjosiu, les voitures jointes. Yondu. Yondumba. Mevo, kanyep, chilonjou. Je l'ai même oublié depuis, elle est calme. Non, elle est master, elle est le master. Donc, nous on apprend. Elle va nous corriger. Même au cagnon, tu es là? Ça? Hein? Ça? Il y a le nom, ça fait un con. 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 Livre, non? Con, con, con. Ah, me vaut, non, non. Waba, waba. Ça, c'est d'abord quoi? Mbe. De, e. Non, c'est pas e. E. Et ici? C'est pas E. Toi tu dis E. Non, dis E. Lisez à l'autre bout. Waba. Allez-y. Waba. Ah, ou. C'est qui? Waba, ça veut dire? C'est qui? Donc, comment on pose la question pour les êtres humains? On dit quoi? Wa. Et pour les choses, on dit? Que? Que. Donc, retenez déjà, c'est ça l'objectif de la leçon. Que. Donc, si c'était que, bah, ça devait être c'est quoi? C'est quoi? Waba, c'est qui? Petiela? Mouba? Mouba? Mouba, kanyep, ça veut dire quoi? C'est moi. Hey, tu connais, hein? Toi qui? Waba. Mouba. Mouba, kanyep. Waba. Wowa. Wowa. Ça veut dire? Toi qui?
Ou c'est toi. Kaji. Kaji, aidez-la alors. Waki. Répète alors. Wo. Wo, pas wo. Wo, oh, oh, wo. Wo, wo. Wo, allez-y. Wo, wo. Wo, wo, ça veut dire toi qui. Toi qui. Parce que le wo, ça veut dire qui. Wo, ça veut dire toi. Dites-moi. Me. Wo. Wo. Yo. Yo. Yo, ça veut dire lui. Lui. Donc dites-moi. Wo. Yo. Me. Dites un peu c'est lui. Yep. Voilà, on enlève mu, on met seulement yo. Yep. Yep. Dites un peu c'est toi. Woba. Woba. Bravo. C'est nous. Poba. Poba. Parce qu'on avait vu que nous c'est pas. Pas. C'est vous. Pebe. C'est eux. Poba. 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 Aha. Ce n'est pas moi. Simubaba. Simubaba. Bravo. On met seulement le si devant. Simubaba. Allez-y. Simubaba. Ce n'est pas toi. Simubaba. Simubaba. Ça va, Payou. Yep. Petit là. Mongwe. Ce n'est pas Seno. 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 Mongwe. Seno. Ça, ça, c'est pas. Deux O se lisent comme ou. Pelanjo Chicho. Deux O se lisent comme ou. Ah, ok. Mongwe. Ok. Et ça, là, ça descend d'abord. Ça fait mou. Allez-y. Et après, ça casse. Ou. Mou. 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 Non, ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle lettre déjà? Hein? Hein? Non. Pas E. C'est pas E. 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 Moi, le c'est E plutôt le epsilon, là, me dépasse. E. Donc, ça fait un oué. 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 Mungwe. 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 C'est le C là, ça chante comment c'est. Cho. Cho. Bravo. Cho. Cho, ça veut dire quoi? Ouvre. Oh. Ah, ne confondez pas, tout le monde confond cho et cho. Cho, c'est quoi alors? Je sais pas. Cho, ça veut dire quoi? Ouais, ok. Ah, entre. Ok. Alors que si on met seulement un petit coup de glotte ici, ça fait ouvre, comme quelqu'un a dit cho. Ah, cho. 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 Donc, attention, regardez comment un coup de bloc change tout. Cho. Donc, dites cho. 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 Mais si. Cho, c'est aussi tomber, non? Quand on dit cho, ah, oui, ou bien il faut dire cho, si. À ce bout de l'esprit, mou, cho, si. Cho, ça veut aussi dire tomber. Oui. Cho veut dire entre ici. Fais-le-moi cho. 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 On dit aussi cho, on dit. Chondia. Entre à la maison. Alors, entre à la maison. Et son synonyme, c'est Quendia. Quendia. Ah, ok. Au lieu de danse, oui, on dit souvent Quel. On a dit... On peut dire Cho, okay. On peut dire Quel. Mm-hmm. Ok. Dites un peu, n'entre pas. Aussi. Aussi Cho. Aussi Cho. Aussi Cho. Ou alors aussi Quel. Aussi Quel. Aussi Quendia. Uh-huh. Alors, allez-y, utilisez l'image pour parler. Non, ça c'est. Woba. Woba. Non. Woba. Wobi. Non. Wobi. Wobi. Bon. Wobi. La personne est près de celui qui parle, hein? Oui, non. Voilà. Wobi. Wobé. Wobé. Allez-y. Wobé.
Wobe. Bravo. Wobe. Wobe. Sensible. Sensible. Ça, c'est pas bon ici. Regardez les tons. Sensible. Ça, c'est bon. Sensible. N'inventez pas. Sensible. 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 On peut aussi dire bon, ça ne change rien. Mais quand c'est écrit n'importe quoi, lisez seulement ce que vous voyez. Pelemon siesiba. Siesiba. Ça veut dire quoi? C'est l'enseignant. Est-ce que c'est le prof? C'est le prof. Non. C'est là, l'enseignant. C'est une affirmation. C'est une affirmation. C'est l'enseignant. C'est le prof. C'est le prof. C'est l'enseignant. Posez la question. Waba. Waba. C'est pas ba, le ton, le ton. Waba. C'est ba. Waba. Pelemo. Waba. Waba. Vous voyez bien que ça fait ba. Allez-y, ba. 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 Ah. 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 Ba. Ba. Waba. 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 Mena ba. Mena. Les tons. Ne coupe pas. Laissez-moi vous gâcher, je veux qu'elle décode ça seule. Mais. Ici, là, c'est Mais. Mena. 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 Ba. Ça, c'est pas A. Ba. Lise seulement la voyelle. Aidez-la. Men. Ba. A. Ba. A. Ba. C'est pas A, c'est A. 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 Ba. A. Ba. Mena. Ba. Tout le monde. Mena. Ba. Posez la question ici. Wabi. Wabi. Quand les tons marchent bien comme ça, même ceci, me chassi. Wabi, allez-y. Wabi. 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 Mena. Ça, c'est pas mais. On écrit ici la mais. Respectez les tons. Mena. 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 Ça, c'est ba. Mena. Posez la question ici. Non. C'est que près de que ben. Mais ça c'est bon lui là. Wouh! Wow. J'ai dit qu'elle a le master. Et... Wow. Elle est là. Que ben. Ah. Que ben. B. 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 Que ben. Elle que ben. Et le grand-père va répondre quoi? Tu veux. Bravo! Pelle me tube. Tu veux. Tu veux. Tu veux. Il y a mon beurre. Peut-être si nous me vaut. Cagnep. Ouais, bah. Non. Que Simon, t'es un peu bien, tu as dit ba, mais tu ouvres ta bouche. Que ba. Ba. Que ba. Que ba. Que ba. Oui, parce que il y a une nuance entre que ba et que ba. Que ba, c'est juste une question, c'est quoi ça, sans indiquer, sans pointer. Alors que ba, tu es en train de pointer la chose. Ok. Keba. Tout le monde dit Keba. 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 Et le père va répondre quoi? Le grand-père répond? Ngop, non. Ngab. Ngab. Allez-y, Ngab. Ngab. Mba Changa. Kabi. C'est pas Bi. Kabi. Kabi.
Kabi, Kabi. Oui, Kabi. Pelela. Kabi. Et le grand-père va prendre quoi? Ballon. Bas pour les mango. Bas pour les mains. Très cher, un jour. Moi, c'est les là. Petit là. Me vaut. Non, non. Me vaut, non, non, lis seulement les voyelles. C'est E, non. Oui, c'est E, mais le ton. E. Oui, tu chies parce que c'est deux. Non, quand tu le ton ne change pas. De fort bas. De fort. De fort. De fort bas. De fort bas. Bas. De fort bas. Te forbe. Allez-y, te forbe. Te forbe. Te for, c'est quoi? Les ballons, alors. Te for, ça veut dire quoi, littéralement? Te, c'est une boule. N'importe quoi qui est sphérique. On dit te, fais-le-moi te. Te. Un fruit, c'est quoi? C'est te tu, le fruit qu'on mange. Te tu. Parce que ça veut dire une forme sphérique qui vient de l'arbre. De l'arbre. Te tu. Maintenant, te fort, ça veut dire une boule de. Boule d'air. Une boule d'air. Bravo. Mavo Ngono. Kobe. Kobe, le ton. Kobe. Et le grand-père répond. On a dit. Tube. Il n'y a pas le coup de glotte. C'est tube. 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 Mauvo Kanyep. Waba. Non, Wabi. Elle a dit quoi? Wabi. C'est qui? Wabi, c'est n'est-ce pas? Wabi. Mais c'est, j'accepte, mais grammaticalement, il y a un petit truc qui manque. Si c'était une seule personne, ça allait être bien bon. Ils sont nombreux. On ajoute quoi devant le Wala? Vas-y, ne t'arrête pas. Quelqu'un essaie là. Waba. Wabi. On a juste seulement le pe. Le pe devant pour marquer le pluriel. Allez-y, Wabi. Wabi. Papa là, le grand père va répondre quoi? CSIPI. C'est si pire. Je pose la question.
Non, Kobe. Tu as dit quoi? Kobe. Kobe, le ton Kobe. Kobe. Et le grand-père va répondre quoi? Zaba. Zaba. Allez-y. Zaba. 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 Je vais faire un canyon. Zaba que me flancy. Tu connais ça? Caca. Hein? Caca. Oui, c'est ça. Nza. Nza. Dites un peu les caca sentent. Nza. Nza, mandam. Nza, mandam. Nza, mandam. Me vaut. Chente. Wabi. Wabi. Oh, quoi, pangwa la lumber. Yep. Wabi. And demoka. Wambiber. Le ton. Ça, lisez d'abord les voyelles. Les voyelles seulement. Ça, c'est quoi? C'est Ça, c'est avec le coup de glotte. C'est pas déjà. Ça, c'est même pas C'est l'inverse. Avec le coup de glotte. Faites un peu comme s'il y avait d'abord comme s'il y avait d'abord une brève pause avant de descendre. C'est quel ton? C'est pas c'est ta. Ta. C'est ta. C'est le son qui me menace le plus. I avec le coup de glotte. I. Donc vous dites I. Ngwa ambi. Ngwa ambi. Ngwa ambi ib. Ngwa ambi ib. Ngwa ça veut dire quoi? Jeter. Ngwa c'est jeter. Mbi. Ramasser. Ce n'est pas Mbi. C'est Mbi. Mbi, c'est la saleté. On ne dit pas Ndochi. Tu nous apprends les choses. Nous, on dit beaucoup Ndochi. Ndochi vient de Dirty. Dirty. Des anglicismes. On a trop d'anglicismes dans notre langue. Ngwa Mbi. Ngwa Mbi. On peut l'appeler aussi Ngwa Razu. Allez-y. Razu, ce sont les ordures. Pelem Razu. Razu. Mbi, c'est une saleté immatérielle, un peu comme une tache. Alors que Razu, ce sont les ordures qu'on ramasse par le bas. Oui. Okay. Donc, Pelem Ngwa Razu. Ça veut dire un néboueur. Retenez au fur et à mesure du vocabulaire. C'est pour ça que j'introduis au fur et à mesure. Peut-être si nous l'enjou. Pouaba. Pouabi. Pouabi. Non, c'est à côté du grand-père. Pouaba. Pouaba. Les tons, est-ce que c'est ba? Ah oui, puisqu'on pose la question Pouaba. Pouaba. Bravo, tout le monde Pouaba. Pouaba. Et le grand-père va répondre quoi? Pouniba. Pas Pouni. Je t'avais corrigé sur le ton là. C'est pas Pouni. C'est quoi? Pouniba. Pouni. 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 Mon Ganchani, regarde bien, ça monte d'abord. Pou. Vas-y. Tu... Non, il n'y a pas. C'est pas écrit ici. Oui, ce n'est pas écrit, je sais. Pelemo pou. Pouni. Ni. Voilà. L'autre pou monte d'abord. Pouni. Pouni. Pouni b. Pouni b. Donc, la remarque que je vous fais rapidement, c'est que
Quand on dit PLM B. 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 Hey, ça veut dire ici. Aha, ça veut dire là-bas, à côté de toi. Hi, ça veut dire loin là-bas, loin de nous deux. Si tu veux dire viens ici, Sensé. Je suis en train justement de vous montrer comment c'est et la A et I la marche partout. Donc, Pelem B. 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 Ça veut dire qui est ici à côté de moi. Donc, le B ici, normalement, ça vient, voici la forme contractée de Behe et de Bessé. Vous comprenez? OK. La même chose, Ba, Pelema Ba. Ba. Beha. Beha. Bessal. Bessal. Dites un peu, voilà ça là-bas. On va dire Yabessal. Yabessal. Voici ça ici. Yabessal. Yabessal. Au lieu de dire Yabessal, on dit seulement Yabé. Yabé. Vous comprenez? Yabé. Maintenant, ici la B. B. Behi. Behi. Bessili. Bessili. Dites un peu, voilà ça là-bas, loin de nous deux. De deux façons. Yabessili. Yabessili. Ou alors? Yabi. 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 Ou alors? Yabehili. Yabehili. Oui. Donc, voilà. Quand on dit C, ça, si, ça marche avec B, Babi. Ça marche avec He, Ha, Hi, Hi. Donc, tout ça là, le E, c'est à côté de moi. Le A, c'est à côté de la personne à qui je parle. Et le I, c'est loin des deux. Et ça marche partout. Donc, en résumé, on a vu que O, c'est pour les personnes. Les personnes. Et que? Les choses. Elle aime Waba. Waba. Mouba. Mouba. Quand on ne connaît pas la personne, on dit Ta-web. Ta-web. C'est pour dire c'est quelqu'un. On a vu que ouais, c'était quelqu'un, non une personne. Ta-web. Et si quand on veut dire que ce n'est personne, on dit Ce ouais. Et maintenant, que c'est pour les choses? Comme c'est quoi? La louche, la cuillère. Loube. Et quand c'est quelque chose, on dit Loube. Taou, ça veut dire quelque chose qu'on ne connaît pas, un truc. Taoub. Et quand ce n'est rien? Seou. Seou. Je paye, je suis mienne et belienzele. Oui, il peut m'en gagner là, une famille. Un bol de piano, fan famille. C'est quoi ça? Vous allez dire ça de trois façons différentes. Différentes en expliquant à chaque fois la situation. Il en est de même pour c'est qui ça? Et l'enfant Timbi peut. Vous allez aller dans le livre et le livre de grammaire et vous allez chercher ce chapitre, chapitre 2, 3. Ce sont les pronoms personnels toniques. Ça veut dire les c'est moi, c'est toi. Donc, vous allez écrire ça et lire aussi. Comment on dit c'est moi? Je sais que c'est, vous avez déjà fait ça mentalement. Donc, normalement, en 5 minutes, vous pouvez finir ça. Donc, c'est moi qui ai mangé. Comment on dit ça? Donc, tout ça, vous allez écrire et puis lire. Donc, voilà vos deux exercices. Et le quiz, c'est toujours pour voir comment on dit « wo » ou bien « que ».
C'est un fils. C'est Google Form. Tu peux copier juste le lien et mettre dans la conversation. Okay. Elle va mettre. Elle va mettre. Cam va mettre. Oui, et généralement, elle envoie aussi les fichiers. Le PDF. Le PDF. Mm-hmm. Uh-huh. Donc, voilà, ceci, mie, nebe, li, enzole. Tu as aussi nous dire? Oh, on va pour moi, je paye, te kembo. Ok. On fait nous, ceci. Oh, pédier, fait peu, m'a dit que je suis un peu plus jeune. 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 Et j'y fais.